Les employés d'Urbanet pour une société plus propre. Pour les manifestants, la situation a dégénéré et leur mécontentement va au-delà du licenciement de leurs collègues. Lundi 23, après Messier, sa négociation là pour l'intégration à camarades là, il dit qu'il faut attendre une décision à vous croire. Donc nous dit qu'on prend une bonne décision, nous allons attendre qu'il y ait une bonne. Et bien c'est comme ça, nous voulons arrêter là, il fait venir associer, le temps passé. Et vers 22h, nous voulons les bloc arriver. Et le patron a déclaré qu'il y a eu séquestré. Il servit avec l'état d'urgence pour dire séquestré. Alors que c'était faux. L'élément bleu arrivé, il a bien voyé ciser en disant bureau aïe, qui a décollé. Nous avons bien dit qu'il a décollé, qu'il a pris un petit pont chez l'associé. Donc il partait ni pont, séquestration. Deuxième bitin, donc nous étions qu'à dormir à l'épique là, depuis lundi soir. Et c'est comme ça que nous voyons le jeudi matin, à 3h du matin. Il était point en société à sécurité, soit disant privé locaux. Et à 3h du matin, nous voyons un ministre, nous avons bien dit, un ministre à Omé, river et vers associé là, et expulser les grévistes Mani Minutari. Et nous avons appelé Mani pour une décision de justice pour ça. Pour l'heure, les manifestants attendent une réaction tant pour la réintégration de leur collègue Bruno Rabot qu'une révision de leurs conditions de travail.